Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter l'épisode 9 du Walkthrough de Retour vers le futur. La dernière fois, nous nous étions quittés alors que Marty partait à la poursuite du camion qui transfère Doc. Parce que en fait, ce camion va être intercepté et Doc va être abattu si je fais pas en sorte que Doc s'échappe. Donc nous reprenons à cet endroit-là. Je vais faire ce que j'ai à faire assez rapidement. Est-ce que je dois faire en sorte que cet épisode, la partie 1 de Retour vers le futur se termine à cet épisode? What's he doing here? Keys. The window shut tight. Driving the truck. Driving? That explains a lot. The keys are on the dashboard, but I can't reach them. You need a protraction of Hercules. What? A reach extender. I'll be back. I'll wait right here. Ouais, donc apparemment, je vais être obligé avant tout de faire ça. Je vais tenter ma chance. Et après, je vais reparler à Doc. Voilà. I need a distraction. Leave it to me. Hey, driver. You're driving too fast. Watch how you take those curves. What do you? I object to your tone of voice, and I find this seat distinctly uncomfortable. Do you have a pillow I can sit on? Hey. I'm talking to you, driver! Don't ignore me! You! Thanks, Doc. I guess that's why they call you the Streak. How did you know that? I have my sources. Non, il est clair, c'est comme ça qu'il était surnommé au football. Forcément. On est obligé de passer par l'inventaire, c'est un petit peu chiant, mais bon. Stand back, Doc. Marty. Et là, on va faire notre lanceur de plat à tarte. Son of a bitch! Ça doit pas être agréable pour Doc. Donc là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Feu. Oh! This is a rescue! That's the idea! Et un tannin de plus dans le fumier. On atterrit à côté de la DeLorean. Doc, are you okay?
I'm fine. But I wonder what sorts of bizarre repercussions my younger self's invention of a flying bicycle will have on the timeline. Did you know that would happen? I had a suspicion. I never could keep those rockets from exploding. So, what do we do now? Now we get back to 1986 before our interactions with the past inevitably cascade into a calamitous future. Where'd you leave Einstein? Doc? He's not in the pound, is he? No, but I think we've got bigger problems right now. Great Scott! J'aurais peut-être dû faire durer un petit peu plus les dialogues. Mais bon, c'est pas très grave. L'épisode sera un petit peu plus court que les autres. Bon bah ça, libre à vous de le regarder ou pas. What's happening? I don't know. We'll have to be careful not to run into ourselves. Hey, fellas. All right, McFly. Let's go see the boss. History says Tanner will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the fires of chaos and corruption. Nothing is over until Kit Hannon says it's over! Voilà. Donc c'était la première partie de Retour vers le futur. La fin donc de It's About Time. J'espère que vous avez aimé regarder mes vidéos et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais des walkthroughs. Donc soyez indulgents, donnez-moi des conseils pour m'améliorer et je ferai de mon mieux pour faire de mieux en mieux. Et de manière aussi surtout à être prêt quand je ferai mes vraies vidéos, enfin mes vraies vidéos, c'est une vraie vidéo aussi, mais quand je ferai mes grosses vidéos où je présenterai des donjons dans Oblivion, que je m'occuperai de Dragon Age et de Mass Effect. Donc je compte sur vous pour me donner des conseils et pour m'améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je ferai toutes sortes de vidéos, je m'arrêterai pas aux jeux vidéo. Je ferai quelques petites conneries. Par exemple, là, j'en ai une en préparation. Je vais pas vous en dire trop non plus, mais c'est une vidéo où je fais quelques trucs assez amusants. Voilà, j'essaie de faire rire. C'est une vidéo assez simple. Hein. On n'a pas trop recherché. En fait, on a improvisé ça avec une amie en une soirée. Donc c'est pas forcément très développé, mais on essaie de faire rire un petit peu, et puis on essaiera de faire de toute façon de mieux en mieux, de s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà. Donc après ce petit hors-sujet, je vous dis à bientôt pour la suite du walkthrough de Retour vers le futur. Donc on reprendra avec la partie 2, qui s'appelle donc Get Tannen. À bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo du walkthrough de Retour vers le futur.